Les hôpitaux concentrent à la fois des savoirs et des technologies. Ils sont l'outil ultime pour diagnostiquer et traiter les pathologies les plus simples aux plus graves. Ils sont le dernier recours lorsque les autres praticiens, généralistes ou spécialistes, n'ont pas ou plus de solutions. Ces établissements, puissants et indispensables, souffrent aujourd'hui de plusieurs maux qui nuisent à leur efficacité et qui altèrent la sérénité des praticiens qui y exercent. Le premier mal est celui de la disparité de compétences et d'équipements entre les établissements. Le second mal est le manque ou l'absence d'échanges entre ces établissements, qui fait qu'un patient, même traité au sein d'un CHU, peut ne pas être dans celui qui a la clé pour sa guérison, alors même que cette clé est présente dans celui d'une autre région. Le troisième mal, ce sont les moyens qui peuvent faire défaut, humains ou matériels, alors même que le niveau de dépenses des hôpitaux est déjà jugé important. Ce mal met en tension le personnel autant que les patients, ce qui ne devrait pas être dans un domaine où la sérénité est l'un des médicaments nécessaires au rétablissement.